Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, aujourd'hui, tout simplement, c'est juste une petite information. Vous savez que pendant un petit moment, je diffusais un peu de vidéos, de spectacles, et de temps en temps, j'en diffusais pas. Là, aujourd'hui, j'ai des animations, mais que la vidéo n'est jamais présentée, qui est normal. C'est un droit de la clientèle aussi. Donc, alors, moi, j'aurai une vidéo que je vais faire dans ma soirée, mais qu'uniquement moi. Ça veut dire que moi, je vais faire une partie pour que vous voyez ce que je fais à peu près. D'accord? Mais après le reste, bien sûr, tout simplement, le client, vous ne le verrez pas. Ce qui est normal, c'est le but du jeu. C'est un respect qui est normal. Donc c'est un respect de la clientèle, donc on est obligé de respecter ces droits. Donc je signe un papier comme preuve que je n'ai pas le droit de filmer, c'est normal. Donc bien sûr que je vais filmer, c'est je mets une partie, ça va être une partie que moi je vais faire uniquement pour moi. Donc il veut dire là t'as du ça, je vais essayer de filmer au moins de mon côté comme ça pour orienter les platines. J'ai filmé donc ce côté là après quand tout ce qui est sale il n'y a pas de clientèle là, oui, sera filmé. Après tout ce qui est animation, jeu de lumière sera filmé, mais tout ce qui est danse sur la piste, etc., il n'y a pas de vidéo. C'est normal. C'est tout à fait normal parce que c'est la clientèle qui désire d'être tranquille. Alors là, je vais faire une soirée. C'est pas mal. C'est la première fois que je fais un mariage. Ça, c'est quelque chose, tant mieux. C'est la première fois que je fais. Donc, bien sûr, j'espère que ça va très bien se passer. C'est tout. Parce que vous savez, il y a des clients aussi qui sont un peu spéciaux. Je vais vous garantir, des spéciaux. Tu balances tout le son qu'il y a. De la génération, par exemple des années 80, ce n'est pas les années 80. Il y a des gens qui sont comme ça, ils fonctionnent comme ça. Moi, les années 80, je vais mettre les chansons les plus connues qu'on connaît à la base, et point barre. Donc, je vais mettre ce que, bon, bien sûr, les chansons les plus connues, qui a été vraiment, mais attention, un DJ animateur est tout simplement un DJ qui ne fait pas trop de la création à la base. Et après, tu as les DJ clubs, là, c'est autre chose. Bon, voilà, c'est autre chose. Donc, tout simplement. Mais bon, après, les DJ clubs, hein, les DJ clubs, c'est selon ce qu'ils demandent le supérieur. Hein. S'ils demandent, voilà, je veux les années 80. Et je n'ai pas les années 90, je n'ai pas d'autres, c'est-à-dire qu'il va tourner quand dans le système des années 80, vous voyez, il va tourner tout ce qui est 80, vous voyez. Donc, après, ça dépend de claque, c'est pour ça que c'est différent. Voilà, bon, bref, on revient sur autre chose. Donc, voilà, tout simplement, l'animation, ce que je vais faire, il y aura du passage de vidéo que vous pouvez voir uniquement, et d'autres que vous ne verrez pas du tout. Donc, la vidéo sera diffusée sur YouTube comme prévu, mais pas la vidéo, pas l'animation totale. Le live, je n'en fais pas. Je sais pas si je vais en faire un, parce que je sais qu'avec les connexions du 4G, qui est pas trop le top, faut le dire, parce que c'est pas toujours le top. Tu peux être chez Orangina, tu peux être chez Free, tu peux être chez Bouygues, tu peux être chez SFR, c'est toujours un réseau pas très 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 bon. Hein. En France, on a un gros problème dans le domaine réseau. Voilà, tout simple. Bah écoutez, merci beaucoup. Voilà ce que je peux vous dire, tout simplement, ce domaine. Donc l'animation sera une belle petite animation sympathique. Et j'espère que ça va bien tourner comme je le désire. Donc voilà, voilà, ça me fera ma deuxième animation. Pas de vidéo. Par contre, il y aura une petite vidéo sur les platines que vous verrez, c'est tout. Voilà, et donc tout simplement ce que je peux dire. Allez, arrivederci, a otro dia.
Vive le Portugal! Passons!